Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Jimbo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le nouveau jeu de la Pat' Patrouille à la rescousse, d'Adventure City. Donc c'est le jeu qui est sorti avec le film de la Pat' Patrouille. Donc là on va faire la première mission, incendie à gogo. C'est parti. Alors dites-moi en commentaire si vous savez le nom de chaque chiot de la Pat' Patrouille. Bonjour les amis, merci d'être arrivés si vite. Le feu d'artifice de Monsieur Hellinger a dégénéré. Des étincelles ont provoqué des incendies en ville. Nous devons éviter qu'ils se propagent. Ruben, tu dégageras le passage avec ta perceuse. Marcus, tu éteindras les incendies avec ton camion de pompiers. La Pat' Patrouille part en mission. Alors voilà les nouveaux véhicules de la Pat' Patrouille. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez, moi je trouve qu'ils sont très stylés. Et j'ai hâte d'avoir les prochaines missions pour voir les autres véhicules des autres chiots. Vous allez devoir continuer à patte. Marcus, passe devant. Déplacement, utilise ceci pour déplacer le chiot. Super, mais fais attention. Le feu d'artifice peut avoir fait beaucoup de dégâts. Alors, on mange les petits os. Pour continuer. Sautez. Appuie sur ce bouton. On va sauter par-dessus l'obstacle. Attendre d'être récupéré. Hop là. Hop. Épatant. Beau travail. Continue. Tu y es presque. On va continuer à récupérer toutes les friandises. N'oublie pas de récupérer toutes les friandises que tu trouveras sur ton chemin. Alors regardez bien et dites-moi si vous voyez, si j'en ai loupé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire où est la friandise que j'ai loupé. Comme vous voyez, je mange tout. Allez les amis, il faut faire vite. Hop, je les avais loupées celles-ci. Tu te débrouilles bien. Merci. Je fais de mon mieux. C'est une mission pour Ruben. Changer de chiot. Utilise ceci pour. Alors on peut contrôler les deux chiots de la mission. Zone au choix. Appuie sur ce ils ont chacun leurs compétences et leurs pour outils. Activer la zone d'activation. Tac. Perceuse. Déplace ceci pour positionner la perceuse. Ensuite, appuie de façon répétée. Alors là, on a la grosse perceuse de Ruben. Et on va dégager les rochers en appuyant sur A. Percer les rochers et dégager le passage. Toi, tu peux appuyer sur le bouton J'aime. Ça aidera Ruben à dégager les pierres. Et c'est parti. Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent. Pat' Patrouille assure. Allez les amis, il faut faire vite. Parce qu'il y a un incendie à cause des feux d'artifice de Monsieur Hellinger. Il faut aller se dépêcher et à l'éteindre. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel chiot vous préférez. Moi j'aime beaucoup Marcus et Chase. Beau travail! Collectionne les friandises. Sans oublier le petit badge. Alors dans chaque mission, vous avez 3 badges à récupérer. Tu
Utilise ta hache à incendie. Ah, maintenant, c'est au tour de Marcus de sortir ses outils pour dégager le passage. Les haches de Marcus utilisent ceci pour déplacer les haches et écarter les obstacles. On fait du petit bois. Ce serait pas trick d'avoir ça pour couper sa viande, vous croyez pas? Remarquable. Wow, quelle pagaille! Tu vas devoir sauter pour continuer. Le deuxième badge. Il nous en reste plus qu'un à trouver. Pas des petites friandises sur les bancs. Beau travail. Bravo. Le troisième badge. Maintenant, on a les trois badges de cette mission. Spectaculaire. Maintenant, on va prendre le camion de Marcus pour aller changer éteindre l'incendie dans l'immeuble. Pour déplacer le véhicule et changer de piste. Évite les obstacles. Change de piste pour éviter les obstacles sur la route. Évite les biens pour ne pas ralentir. Hop là. Hop là. Bah déjà ça commence mal. On s'est pris un obstacle. Bon, on va essayer de ne pas se prendre les autres obstacles. Et on va essayer de récupérer toutes les friandises qu'on peut. Alors, la manœuvrabilité du camion est pas trop ça. Franchement, c'est un peu compliqué à se bien s'orienter. Une petite bêtise, bon c'est pas bien. Je récupère cela, je récupère cela. Et c'est quand même dur à prendre les friandises et pas prendre les obstacles. Éviter les obstacles et prendre les friandises en même temps, c'est un peu compliqué. Je fais mon maximum. On peut se dépêcher parce qu'il y a le feu. On dit, il n'y a pas le feu, mais là, il y a le feu. Ah oui, d'accord. C'est un obstacle à retardement. Je l'ai pris et j'ai fait le... N'importe quoi. Et voilà la ligne d'arrivée. C'est parti. C'est bien, on a récupéré 175 os. Très bien. Allez, c'est parti. On va éteindre l'incendie. Les bulles du camion de pompier. Alors, les bulles du camion de pompier. Cibler la bonne zone. Pour tirer on va acheter des bulles d'eau en direction des incendies, des feux pour les éteindre. On va commencer par celui-là. Hop. Et d'un, on va se dépêcher parce que on va pas que l'incendie devienne trop gros non plus. Et de deux, et de trois. Et voilà, l'incendie est éteint. La patte patrouille assure. Bien joué, Marcus. Ruben a raison. Il manque une bouche d'incendie. Quelqu'un a volé une bouche d'incendie. Vous avez vu, il y a 200 empreintes de pas. Et ça, on le découvrira dans les prochaines missions. Qui a bien pu voler la bouche d'incendie? Dites-moi en commentaire si vous avez des soupçons sur un personnage de Pat Patrouille. Moi, personnellement, je sais pas. Donc voilà, les amis, c'était la première mission de la patrouille à la rescousse d'Adventure City. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines missions. Vous voyez, la prochaine mission, ça sera embouteillage. Voilà les amis, c'était Jimbo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.
et laissez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez très vite les prochaines vidéos. À bientôt, ciao.